Les amis, salut à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo importante sur la syncope et le contretemps. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? La syncope et le contretemps, c'est le fait de jouer sur les temps faibles. Donc c'est le fait de jouer une note sur le temps faible et ensuite la prolonger sur un temps fort. Donc qu'est-ce que c'est un temps faible? Quand tu prends un morceau en 4-4, hein, pour ceux qui ne savent pas, un morceau en 4-4, c'est que tu comptes 1, 2, 3, 4, hein, t'as ta batterie qui fait tout, tac, 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 1, 2, 3, 4. Le 1 et le 3 sont les temps forts, considérés comme les temps forts. Et le 2 et 4 sont considérés comme les temps faibles. Donc en jazz, c'est le. On appelle l'afterbeat. On verra ça plus tard. Donc là, temps faible, 2 et 4. Et donc le contretemps et la syncope, c'est le fait de jouer un petit peu décalé. Tu vois, c'est tout ce côté un peu équilibriste qui suppose que tu retombes bien sur le temps derrière. Donc c'est vraiment important à la base. Donc on va faire un petit plan sympathique extrait d'un super morceau déjà vu, ça s'appelle Déjà Vu, de Dionne Warwick, super, avec un super bassiste, un Willie à la basse. Donc on va le faire bien sûr avec le clic, hein. Donc tu vas voir, c'est très syncopé, c'est un peu tout en l'air, tout en subtilité, il va falloir retomber sur ses pattes, mais c'est un très bon exercice. Donc dernière mesure, tu vas voir, premier temps, donc sur le temps, ensuite silence, quart de soupir, hop, syncope, on lève, et deux temps, un double croche sur la fin, tu vas voir, c'est pas mal du tout. Donc c'est parti, on le fait. Donc bien sûr, un tempo léger, tu vois, on va le faire, c'est pas le morceau, il est pas rapide, donc c'est un tempo lent, donc bon, il est vraiment lent, on va le mettre à 70, et ensuite on va monter jusqu'à 80. 2, 3, c'est bien boum, donc ça c'est vraiment pour les billes en rythme, ceux qui sont vraiment des chèvres en rythme, c'est vraiment pour eux, c'est vraiment, faut insister là dessus si tu arrives à passer ça, c'est bon, tu peux tout jouer boum, ok, donc c'est parti. Donc là c'est 70, on va essayer de monter un petit peu jusqu'à 80. Donc c'est vraiment important de travailler ça, c'est super important. Tout est là, tout est dans le rythme. On y retourne. Donc on y retourne, on va faire 70, tempo 70, ensuite 80. Ok ? 2, 3. Ça c'est vraiment groove, c'est super. Donc là on est à 70, on va essayer de monter à 80. Donc je te montre les notes. Donc Fa dièse, hein. Fa dièse, deuxième case, boum, boum, boum. Après Mi, Do dièse, Fa dièse. Je fais pas un gros plan, tu vois. Mi, Do dièse, Fa dièse. Après Mi, Mi, ici, deuxième case, corde de Ré. Tu fais l'octave, tu restes en Fa dièse. Et alors là, deuxième mesure, là, tu verras, tu regarderas la partition, la tablature, le petit trait final, La, Si, Si bémol, La, ça fait, après tu reviens,
La, si, si bémol, la, mi, si, si bémol, la. Ok. Donc le 13, ça fait. Donc tu attaques bien après le temps. Boum, ta na 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 na. Ok. Et tu retombes sur ton fa dièse pour arriver. Donc ça fait. Boum. Qui est bien, c'est de le faire tourner, tu vois. Tu essaies de le faire tourner sans batterie, comme je viens de le faire là, pour essayer de bien être en place. Une fois que tu es en place, c'est bon, tu mets la batterie, tu mets la bande, et ça roule tout seul. Donc on va tenter un petit 80. Bon, tu vois, c'est pas mal. Donc ça joue pas rapide, hein, ça joue lentement, mais c'est comme ça que ça tourne. C'est un bon truc groove, hein. Tu t'écoutes le, je te mettrai le truc en lien, le John Warwick. Donc c'est inspiré de ce plan-là, hein, ça tourne là-dessus, la tournerie elle est là-dessus. Donc là je l'ai mis à 85 pour faire monter un petit peu le tempo, pour avoir un petit truc sympa au niveau du rythme. 1, 2, 3, 4. Le contretemps et la syncope, c'est vraiment ça. Donc la syncope, c'est bien ça, hein, c'est le contretemps, hein, donc c'est syncope et contretemps. Tu joues sur ton temps faible et tu retombes sur ton temps fort. Voilà, ça donne toute la dynamique et la rythmique du morceau, hein. Voilà, donc tu travailles ça, tu vois, c'est pas très long. C'était la vidéo du jour, hein. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc merci pour tous les nouveaux, vous abonnez, il y a un bouton en haut en bas, tu t'abonnes, il y a une formation gratuite pour ceux qui veulent, dans le lien de la description. Voilà les amis, je vous embrasse. Et puis, bien sûr, faut jouer. Voilà. Bon, allez, bonne journée et à bientôt. Ciao.